à l'entame de cette visite qui a pour objectif de superviser l'effectivité des réalisations de certaines ONG, le ministre en charge de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Maman Ibrahim Mahaman, s'est rendu à Sabomashi, département de Dakoro, sur le site de récupération des terres de Tadoni. Des activités financées par le programme alimentaire mondial et mises en œuvre par la vision mondiale ont permis de récupérer 117 hectares de terres et mises en valeur en faveur des communautés. Ainsi, le ministre s'est entretenu avec les populations bénéficiaires auxquelles il a prodigué des conseils d'usage sur la préservation et la pérennité des acquis. Même chose au niveau de l'unité d'extraction d'huile de Kalgon Arzika qui vise la création des activités génératrices de revenus en vue de l'autonomisation des femmes et des filles qui bénéficient à leur tour, grâce à la synergie d'action du PAM et du World Vision, des allocations du CM1 jusqu'en terminale. Prochaine étape de cette visite, les locaux du complexe ophtalmologique Maka de Maradi et les services techniques de l'État, notamment la direction régionale et les directions départementales de l'aménagement du territoire et du développement communautaire d'Agui, de Gazawa et de Tessawa, où il est allé s'enquérir de l'état des lieux et des conditions de travail du personnel. Dernière étape, la commune rurale de Mejirgi, département de Tessawa, où intervient le PGDR-CU dans le cadre du mécanisme de réponse immédiate. Enfin, à l'issue de toutes ces visites, le ministre en charge de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a dressé la sentence après. Ce qu'il faut tirer comme leçon de ces visites à terrain, c'est que nous avons constaté en tout cas une mutualisation et une synergie d'action dans certains cas, notamment ce que nous avons vu dans le cadre des activités dans la commune de Sabomashi avec le PAM et l'ONG World Vision, où vraiment ils sont en train d'accompagner les populations pour assurer en tout cas une certaine résilience par rapport aux difficultés que les gens rencontrent. Et surtout, appuyer la scolarisation des jeunes filles avec cette nouvelle initiative d'octroyer des bourses pour les filles. Et on a constaté déjà, dès cette rentrée, une certaine amélioration. Nous avons rencontré donc ces communautés pour les appeler à plus de vigilance et surtout à faire en sorte que ce qu'ils ont reçu puisse être capitalisé. Nous tenons très sincèrement à remercier les autorités régionales de Maradi pour leur accompagnement. Nos services techniques également, on est en train de prendre des mesures pour les mettre dans les meilleures conditions de travail pour que leur rôle régalien de contrôle et d'accompagnement donc, de ces communautés puisse être assuré. Notons qu'auparavant, Maman Ibrahim Mahaman a échangé avec les populations bénéficiaires des appuis du SOS Village d'Enfants à Maradi, a visité l'unité de production artisanale de farine Musola et les locaux du Greta Atis.